Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 5 sur Watch Dogs. Donc j'ai profité juste avant pour me prendre un petit truc sur le Uplay. Donc je suis pour le D50 en or, j'avais pas assez mais je vais aussi me prendre par la suite Papa Vero là. La Papa Vero, elle a l'air plutôt stylée. Donc j'ai pas encore assez, j'ai que 20 U du coup on va attendre un peu. Donc je vais balancer le jeu, c'était juste pour vous montrer. D'ailleurs on va aller l'acheter dès qu'on rentre sur le jeu pour voir à quel point il est magnifique. Et ensuite on se lance dans l'émission, vous inquiétez pas. Je sais pas d'ailleurs si c'est récompense, je crois que c'est juste quand t'as un compte Uplay. Par contre je sais que vu que j'ai la version PS4, je devrais avoir des missions en plus, j'ai des trucs exclusifs. Mais je sais pas quand est-ce que ça joue, je sais pas. Enfin je sais rien en gros. Fais voir le boîtier. Alors attends. Hop. Édition exclusive PS4 inclus 60 minutes de gameplay exclusif. Ils disent rien d'autre dessus. Ah, contenu exclusif, contenu. Récompense, la tenue blanche d'être sec est un bonus de piratage. Ah bah c'est celle que j'ai là en plus. Ah j'ai même pas fait gaffe. Non mais j'ai pris une tenue. Aiden, j'ai pas du tout aimé notre rencontre. Pour moi, je t'ai pas tué. On s'entendait si bien avant. Je t'ai appris plein de choses. T'es un hacker professionnel. Et c'est toi le mec des infos. Le justicier. T'as parlé d'un deuxième hacker pendant le job du Merlot. Mais ça, on le savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, t'as quelque chose de nouveau. Ah, oh, intéressant, pas vrai? Viens me voir. Je t'expliquerai. Dis-moi d'abord. On verra si j'ai envie de te voir. Non, non, mes infos, mes règles. En plus, il faut qu'on rattrape le coup de la dernière fois. Allez, Aiden. Dépêche-toi. Ok, mon chou. J'arrive dans 2 minutes. Faut d'abord que j'aille faire des achats. T'es ici. Prends une voiture au pif. Dégage, hein, allez. De toute façon, il n'y avait pas de donne bagnole. D'ailleurs aussi ensuite je vais aller sur ma branche de compétences là pour voir si j'ai pas les trucs à augmenter parce que ça fait quelques temps que j'y suis pas allé. Oh, c'est chiant les infos. Fait de nouveau l'actualité, cette fois-ci pour ses œuvres caritatives. Aujourd'hui, des représentants de l'hôtel Merlot, dont il est propriétaire. Ici. Oui, du monde. Je peux vous aider ? Ouais, ouais, tu peux m'aider. Vous cherchez quelque chose? Attends, attends. Là. Le DD50 en or. Impressionné. Ils ont même pas fait les phrases entières. Impressionné ami et ennemi. Ah, mais si, je suis con. Ennemi, enfin, ami et ennemi grâce à ce modèle D50 en or. Donc, je l'ai déjà. Bon, apparemment, je l'avais déjà. On va en profiter d'ailleurs, je vais... Lance-grenade à pompe. Fusil de précision automatique. Pistolet mitrailleur automatique. Les fusils... c'est de la merde. Alors. Fusil de précision. Est-ce que j'en ai débloqué? Oh, j'ai le dernier là. Celui qui coûte bien cher. 5 étoiles. On se l'achète. Et ensuite en fusil d'assaut. Ah, j'ai débloqué la casse. Ça doit être pas mal. Ah, j'aurais pu acheter m'acheter la CR. Bon, pas grave. On les essaiera plus tard les derniers. Hop. Ah mais je l'ai déjà. Fusil à pompe. Bah, je l'ai déjà celui-là. Pourquoi il me demande de les acheter si je les ai déjà? C'est quand je les trouve sur des mecs, je pense. On va se le prendre. Là je fais les fournitures. Hein. Celui-là 5 étoiles et celui-là seulement 3. Ah, à tir unique, ok. Ouf, j'ai pas les sous. Mon pistolet, j'ai déjà pris. Oh, le revolver. Oh, qu'il est stylé. Celui-là, je le prendrai la prochaine fois.
pistolet mitrailleur. Putain, et la nana qui est derrière, elle m'emmerde là avec son truc. Tu veux ma photo? La Vector. Je la prendrai bien. Elle ressemble vachement à celle qui est dans Black Ops. Enfin, dans tous les Call of, de toute façon. Bon, il n'y a rien d'autre, je pense. Vu que je suis déjà équipé. Ouais, j'avais pris celui-là au départ, mais il est nul. Je crois que je vais te mettre une balle. C'est qui la meuf qui arrête pas, là? Est-ce que tu veux mourir? Tu me le dis de suite, et on règle ça. Bon. Allez, c'est parti pour la mission. Attendez, il y a un autre truc que je voulais faire. Arbre de compétences. Ça, c'est pour le combat. Objet fabriqué. La conduite. Combat, qu'est-ce qu'il y a? Améliore la rapidité avec laquelle vous changez d'arme. Ça, je m'en fous. Augmente la quantité d'explosifs transportables. Réduit les dégâts infligés par les balles ennemies. Ah, ça. Ça peut servir. Non, j'ai plus qu'un point déjà. C'est quoi qu'il y a après? Expert en pistolet. Améliore la cadence de tir avec les pistolets semi-automatiques. Dégâts infligés au véhicule à l'aide de fusil. Améliore la précision de la rafale de toutes les armes automatiques. Ça, ça peut être cool. Améliore la stabilité de la lunette des fusils de précision. Ça aussi. Focus optimisé. Nécessite focus ralenti. Donc il me faut le focus. Focus amélioré. Ah, c'était deux points pour long, je les ai fait du focus. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas essayé ça. D'ailleurs, ça va me rapporter des U en l'essayant. Je peux rien débloquer là-dedans? Non, pas assez de points. Objet fabriqué. Grenade à fragmentation. Yes. Voilà. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire. Hop. Triangle fabriqué. Voilà, 4 sur 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux fabriquer? Débloquer la compétence pour fabriquer cet objet. Ah, ok, faut des leurres. Hop, 10 sur 10. Brouillage, débloqué. Ah, je suis désolé. Il faudra que j'essaye mon... C'est le M107. Hop, 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 branche ça. Pas ici. T'es fou, mon gars, t'es fou. Donc ensuite, on avait dit... On va partir pour la mission. Hop, c'est parti. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur l'acte 1 qu'on venait juste de finir, quand on est sorti de la prison et tout le tralala. Donc maintenant, si je me souviens bien, faut trouver le deuxième hacker. Ça doit être la quête de l'acte 2. Et au final, pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est... Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même pas. Je pourrais même pas vous dire. On est dans le loop. Je sais pas à quoi ça sert ce que je viens de faire. C'est bon, on arrive. Putain, il y a des bagnoles, elles sont vraiment dégueulasses. Alors c'est où? C'est là. Calme-toi, je suis à 50 mètres de toi. Fou furieux. Hop. J'aurais dû le mettre encore plus loin le point, juste au cas où. Que ça me fasse bien chier. Hop, démarre la mission. Faut que je fasse ça vite. La faiblesse de Damien, c'est sa fierté. Je dois jouer là-dessus.
le convaincre de me dire ce qu'il sait et l'envoyer se faire foutre. Il est trop imprudent, trop dangereux. Retrouver Damien sur la plaza. Où est-ce que t'es? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi? Laisse tomber. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté que des emmerdes. On n'a plus rien à se dire. C'est trop tard, Aiden. Tu devineras jamais où je suis. Attends, je vais t'envoyer les images. Trouve une télé et jette un œil. C'est la maison de Nikki. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais te dépêcher, mon garçon. Ta jolie petite sœur a besoin de toi. Damien! Oh putain, bâtard. Damien, qu'est-ce que tu fous? Oh le bâtard. Ça va chier des bulles. Je le sens. Non mais vas-y, fais comme chez toi. Hop. Une voiture, une voiture. Pas une bonne voiture là, j'en ai marre de me trimballer avec des vieilles carcasses. Non, le feu passe au... Non, je peux pas le passer au rouge en plus. Là. T'es femme de film de monstre. Je suis un monstre. Ça devrait te plaire. Génial. Ah, on gagne de l'argent en rentrant dans les bagnoles. Boîte à gants fouillée, 34$. Normal. C'est foutu, quoi. Ce fils de pute m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il fout chez Nikki? Non, il peut pas leur faire de mal. S'il les touche, je le tue, il le sait. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de m'attirer là-bas. Il veut m'obliger à travailler avec lui. À retrouver les types qui nous ont attaqués. Il peut crever. Faut que je me débarrasse de lui. Elle avance bien cette bagnole quand même. La conduite elle est quand même pas mal stylée, faut avouer. Et ouvre-toi. Allez, tout est bon, j'arrive. Six ans, quelle tragédie. Où est-ce qu'ils sont? Quel gâchis, tout ça c'est juste un gros gâchis. C'est... La vraie tragédie, c'est qu'un type comme toi soit entouré de tant de choses aussi fragiles. Ça te rend vulnérable. Ils sont où? Non, ça marche pas comme ça. Si j'étais toi, je répondrais. Oui. Nikki, où est-ce que t'es? Nikki! Réfléchis deux minutes. Si tu déconnes, elle crève. Écoute, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà, on en est là. Si tu m'avais écouté, ça aurait pu se passer différemment. Dis-moi où ils sont. Où ils sont? Y'a que Nikki. Et le gamin. Je sais pas où il est. Voilà ce qui va se passer. Ça va te mener à un disque dur. Je t'ai dit qu'il y avait un autre hacker. Grâce à ça, tu pourras dénicher son ordi. Trouve-le. Et tu sauras qui a mis un contrat sur nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est fini, les interrogatoires. Je veux ce disque dur, c'est tout ce que t'as à savoir, c'est le prix à payer pour Nikki. Arrête de réfléchir tout le temps, Aiden. Et tiens-moi informé. En échange, tu pourras parler à ta petite sœur. C'est donnant de nous, quoi. Tu sais que ça va mal se finir pour toi. Peut-être, mais joue pas au con avec moi. J'en ai rien à foutre de tuer cette fille. Allez, à bientôt, mon copain.
Tu mérites une grande claque dans ta gueule. Où est Jackson? Damien ne l'a pas trouvé. J'espère qu'il a sa tablette. Là, il est dans le métro. Oh merde, quelqu'un est après lui. Ok, je Damien comprends. Ne doit pas capturer Jackson. Je dois le protéger. Et où le noir qui est rentré là? Je sauve Jackson et après... Nikki. Oh bordel. Il tient Nikki. Hop, c'est parti. On va rigoler un peu. Hop. C'est parti mon kiki. On va les défoncer ces enfoirés. Couvre-toi. On va s'amuser un peu. De quoi? De zone interdite déjà? Ouh, ça m'a sauvé la vie la cinématique là. Faut que je pirate le train. Jackson pourra alors s'éloigner du type. Ça va revenir, je vais me prendre un taquet dans la gueule. Allez, dépêche-toi. On fouille toute la rame, le gamin est forcément là. Ah bah non. Ils m'ont fait descendre. Voilà, j'ai gagné du temps. Je peux aller à la station suivante. De quoi? Oh putain, oh putain, oh putain. Bon bref, j'ai pas le temps pour ça. Oh là là, si j'ai peut-être le temps en fait. Parce que sinon, je vais mourir. Il nous faut du monde ici. Qui est? Rentre dedans. Hop. Oh non, il y avait un temps, j'ai pas fait gaffe. Les renforts sont je là. Suis mort. Vas-y, éprends-le. Bon. Je crois qu'il faut pas trop s'approcher des méchants. Voilà, j'ai gagné du temps. Je peux aller à la station suivante. Tiens bon, Jackson. Elle où ma moto? On va le choper à la prochaine station. Go, go. J'espère qu'elle est bien cette voiture. On dirait la Phoenix. Comment je peux les neutraliser? Je m'en occupe. Et le 1. Oh con. Allez-y, je vous rattrape. Fais-le sortir de la route. On est là. Vous avez besoin d'aide? Désolé monsieur. La vie d'un gosse est en danger. Il est pas neutralisé là? Putain, ça lui suffit pas. Hein. Ah. Culé. Ah, je gourde le bouton depuis tout à l'heure. Allez, toujours plus. Bande d'enfoirés. On va attendre un petit peu parce que là... Et tire-lui dessus. Putain, je tire sur des civils. Mais non, 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 non.
Flanque-toi, tête de gland. Ça c'est fait, il en reste un. Menace éliminée. Déjà ça c'est fait, je crois que je vais crever un pneu. Hop, passe par là ensuite, gauche droite. Métro il est de l'autre côté du pont, putain. C'est où je passe? Oh, mais il est pas de l'autre côté, il est en bas. Oh mais non, mais comment je fais là? Hop, non. Putain, ça me saoule, ça... tous les jeux changent avec ce truc. Là. Jackson. Tout va bien maintenant. C'est fini. Écoute. C'est important. À la maison, est-ce que les messieurs ont dit quelque chose? Parle-moi, Jackson, s'il te plaît. D'accord. On va la trouver. Yolanda, bonjour. Ici Aiden Pierce, le frère de Nikki. Tout va bien. J'aimerais vous rencontrer en personne. Je suis dans le train, avec Jackson. Très bien. Vous savez où Nikki le dépose d'habitude? Oui, je vous y retrouve. Il faut que tu sois courageux, d'accord? Les messieurs ont dit ça chez toi. C'est bien, Jackson. T'es un chef. Bonjour. Ça va, mon lapin? C'est Cylinder qu'on voyait sur le métro derrière. Où est Nikki? La semaine a été dure. Elle s'est enfin décidée à donner les affaires de Lena. Et... je crois qu'elle est en train de faire ses adieux. Ça se passe mal? Plutôt, oui. Elle devrait m'appeler. Elle voulait justement que je vous appelle. On se demandait si vous pouviez... garder Jackson quelques jours. On vous paiera, bien sûr. Oui, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. C'est très gentil, merci. Nikki doit faire son deuil. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Pas vrai? Allez, viens, mon grand. On va s'amuser un peu. Viens, on y va. À bientôt. Allez. Monte. Southbound train arriving shortly. Et tout que tienes. Allez, bouge. Merci. Northbound train arriving shortly. Donc, faut aller où maintenant? Juste à côté, nickel. Je conduis comme une merde. Appelez. Oh, coupe pas la route comme ça, toi t'es fou quoi. C'est un quartier difficile là où je vais. Mieux vaut être bien préparé. Oh. Salut. Les autorités du centre correctionnel de Chicago ont renforcé leur protocole de sécurité après une récente évasion.
D'après nos sources, il semblerait qu'un prisonnier ait réussi à franchir tous les contrôles de sécurité mis en place. Heureusement, la police de Chicago a appréhendé ce prisonnier quelques heures plus tard. John Smith, 34 ans, a été placé en détention provisoire. D'après son avocat, M. Smith serait victime d'une erreur sur la personne. Bon, c'est tout ? Ça ne me rapporte que 5 000 $. Bon, mais c'est bon. Maintenant, les lampes pour rien. Passer les lampes de fabrication, des prêteurs sur gage et pharmacie ou en piratant les délais difficiles. Alors. Objet fabriqué. Est-ce que j'ai gagné d'autres points de compétence? Non, donc j'ai presque rien à faire. Ça servait à rien ce que je viens de faire. Hop. D'abord que je pirate le centre de contrôle du district. Ok, faut que j'ai le CTOS. Génial. On peut pas sortir par là? J'étais déjà venu ici en plus. Je sais plus ce que j'y avais fait, mais j'y étais venu. C'est un CTOS qui est juste là, je crois que c'est pour ça. C'est notre voiture de tout à l'heure. Putain, elle était déjà démarrée que j'étais pas dedans. Hop. Ah bah c'est la Papa Véro. Je crois que c'est celle que je veux. Avec Uplay. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai acheté des véhicules. Vous avez fouillé le criminel. Je m'en fous du criminel. Allez! Allez! Mais t'arrêtes! Bon. Pff, même pas rayé la voiture. Allez! Donc juste le capot avant. Moi ouais, je disais la dernière fois j'ai acheté des voitures, je sais même pas comment on fait pour les avoir nos voitures. Hop. Je fais que passer. T'inquiète, il va bientôt être connecté au CTOS. Excusez-moi. Je trouve que l'émission a commencé à envoyer du lourd quand même là. Il y a de la musique par derrière et tout. Il y a de la bonne action. Un truc qui sert à rien. Hop. Hop. Comme si de rien n'était avec la bagnole complètement morte. C'est pas normal ça. Faire quoi? Donc... Y'a quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Hop. Faut aller où, nous? Putain, y'a des points partout, mais ils nous disent pas où est-ce qu'il faudrait qu'on aille.
pas une seule caméra. Ah si. Allez, j'ai vu. Je l'ai vu il y a 2 secondes la caméra. Il y avait un point, là. C'est bon. Rien à... Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire là? Hop. Il est où le point de contrôle du CityOS là? Oh, il l'a envoyé sur son pote. Commencez à chercher par là. Ah, quelle bande de bouffons. Ah là, ça c'était énorme par contre. Donc, il y a écrit CityOS sur la porte là. Ah mais là-bas aussi. On va regarder de ce point de vue. Putain, mais il y a du monde partout et le truc il est gigantesque quoi. Il va faire péter son pote lui aussi avec un peu de chance. Ah non, il a pas le temps. Oula, attends, lui par contre il a un truc spécial. Allez mec, viens devant. Accès à la salle des serveurs. C'est toi qu'il faut pirater. Voilà. Maintenant, faut pirater le serveur CityOS. Et là, peut-être. Je fais tout en douceur. Un vrai ninja. Ok, j'étais déjà à 48 mètres tout à l'heure, mais... Protection, chariot, plateforme... Et une caméra, non? C'est trop demandé. Bon, ben, on va revenir là sur celle-là. Juste à côté. Y'a pas un mec là pour venir me... Oh, nickel. Pourquoi il me... Elle sert à quoi cette caméra, tu m'expliques? Elle sert à rien du tout. Pour savoir que c'est encore à 48 mètres. Bon, attendez, on va recommencer, on va essayer. Je suis presque sûr et certain qu'on peut le faire, mais juste avec les caméras. Bah, il y a un truc à faire exploser, mais il n'y a personne devant. Ah, attendez. Venez par là. Ça risque de les attirer. Là, il est rentré ici. Viens ici, là, devant. Allez, mon cochon. Viens, tu vas voir comme c'est bien. Putain, il y a un truc sur son portable, lui. Non, c'est une diversion. Ouh ! Après. Donc, pourquoi ils mettent que c'est là-bas à 48 mètres? Tout à l'heure, quand j'étais juste à côté, c'était encore à 48 mètres. Donc d'ici j'avais chopé une caméra qui était là-bas. Ta princesse... Qu'est-ce qu'il a marqué le truc? Ta princesse... Another Castle. Putain, il n'y a que celle-là de caméra? Ah là, c'était celle-là. Ouais, ok, j'ai compris. Tout à l'heure, je devais être sur le bon truc, en fait. Je vais chercher ailleurs. On ne le retrouvera pas.
c'est 48 mètres par rapport à mon personnage, pas par rapport à la caméra que je contrôle. Ah ben voilà, mais tout à l'heure je pouvais pas. Ah mais c'est quand j'ai fait péter le truc, je crois. Oh nickel, sans me déplacer quoi. Donc d'abord on va faire comme ça, ensuite comme ça. Donc ensuite on peut faire tac et tac. Hop, on pirate. Hop, de on pirate. T'es la plume privé des gens maintenant. Hop. Là. Et voilà. Ouais, vous, il y avait un mec à côté de moi depuis tout à l'heure. Et voilà. Plus qu'à refermer la porte. Il se passe quoi, là ? Ni vu ni connu. Allez, bisous les filles. Accès au district débloqué. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, on se fait quoi? Voyons ce qu'il... Je voulais débloquer un truc. Pilule permettant une récupération instantanée massive du focus. Ça, je m'en fiche un peu. Brouillage. Cette app permet de couper la plupart des signaux de communication très efficaces pour compliquer la tâche des policiers. Pas étonnant qu'elle soit si populaire. Si elle est populaire, c'est qu'elle doit servir. Je pense que je vais prendre celle-là. Les EI, bon, je sais à quoi ça sert. Hein. C'est bon, pas besoin de m'expliquer. On va prendre le brouillage. Ah oui, il m'en restait encore. EEI, je m'en fous un peu. Du coup, on va prendre ça. Maître d'armes. Ah, allez. Vu que les autres pourront sûrement servir, faut que j'achète dans tous les cas. C'est sûr, Nicky. Ah bah nickel, il me place Racine. Le point tout seul. Où est-ce que c'est? Voilà, Robert Racine. Donc, là... passer un point parce que sinon ça va m'emmerder pour y aller. Voilà, c'est par là bas j'ai bien fait de placer mon point. On a découvert un corps à South Central matin. Nos sources parlent d'une explosion. Oh non, oh, ça passait juste, heureusement que j'appuie en fait. On lui connaissait des liens avec le Chicago South Club. Oh, je voulais couper. Oh, oh. Ça sent que bueno, ça. Ça, un peu moins. Aïe. Oh, mais voilà, je fais trop le guignol, du coup... je me retrouve coincé comme un guignol. Tout simplement. Elle est plus que capable. D'ailleurs j'espère qu'elle va pas exploser au bout d'un moment. Oh putain, tu vois quand on parle où. Je fais vraiment que de la merde pendant mes let's play. C'est ça qui est beau d'eau. Bon,
notre voiture. Tu crois que la rue t'appartient, du coup, mais hey, ça va pas. Pardon. Tu veux peut-être que je laisse mon nouveau snipe sur toi. Hein, du con. Allez, on replace le point, cette fois-ci je fais pas le con. Super bien celle-là. La PP Vero là ou PP Varo, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est franchement. Non, la Papa Vero. Papa Vero, voilà. Elle est franchement plutôt pas mal. Oh, putain, mais ça saute avant que le pont soit levé. Quoi. Damien a engagé quelqu'un d'ici. Je commence par le proprio, Robert Racine. Après, je passe aux employés. Il faut que je reste calme. Donc, on fait ça discretos. Je crois que c'est la première fois dans les let's play que je fais un CTOS, enfin même une seule mission quoi, en étant discret. Je préfère rusher, c'est plus drôle. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas venir sur toi? T'as pas de bombe? Hey, qu'est-ce qui fait ça? Comment je l'ai trollé? Pas là, là. Un truc derrière. Hein? Mais comment... Vite. Voilà, c'est bon. J'ai pas une pute. Pourquoi ils nous traitent tous de pute? Oh merde, merde, merde. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Putain, ils sont aveugles hein, quand même. Vas-y, approche-toi de là-bas. Mais y'a rien ici. Pas me lâcher eux. Oh merde, y'a un gros pâté. Putain, ta gueule toi. Je peux pas me cacher. On se casse. On se casse pas en haut. Munition max, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors lui pour le choper. Oh putain, continue. Tu crois que je suis blessé? Comment on fait pour enlever les grenades?
Oh non, 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 quoi? Mais je ne sors pas! Envoyez des renforts! Oh, je vais même pas voir le type. C'est quoi ces mastodontes, quoi? Non, en même temps, je me suis fait choper comme une merde. Bon. Non, range ton arme. Alors, comment je vais faire? Une arme! Il a une arme! Ah, mais je l'ai rangé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fout avec une arme? Non, au bout de l'allée là-bas. Vous savez quoi, je vous en jure, je vous l'avais. Il la pose par terre, tu sais. Lui, non, c'est une caméra qu'il a. Ouvrez l'œil, trouvez-moi cet enfoiré. De quoi? Pourquoi il tire dessus? Celui derrière m'a eu. Oh. On va faire ça à manière forte. Je suis sur un trophée. Ah, parce que déjà toi, c'est fait. Oh putain, merde, il y a encore lui. Cours, cours, cours. Ah putain, c'est lui, quel code. Oh, c'est tard, tank. C'est pas encore fini ici. D'accord. Attention, grenade. Mais c'est quoi ce bordel, hein? Alors, faut du cul, il reste des mains. C'est pas quoi, là? Comment tu vas plus me faire chier, maintenant? Je sais pas ce que je viens de faire, mais je l'ai fait. Le mec qui m'a tiré derrière. Il est où? Putain, c'est quoi ça? Ah. Hop. De l'argent. Donc là, ça c'est fait. Donc ensuite. C'est les caméras. S'il y a une caméra ici, c'est qu'il y a. Ouais, le truc, il est pas loin. Je regarde juste s'il n'y a pas quelques trucs parce que. Hop. Caméra, il n'y avait rien ici alors. Ça sert à rien. Bon, mais on y va. Accès à distance activé. On va aller vers où? Ah, bah c'est là où je me suis fait poutrer tout à l'heure. Donc c'était bien ici qu'il fallait que j'aille. Non, on peut pas récupérer. Rien. L'ordinateur. Je peux m'en servir pour pirater les caméras. C'est tellement débile. Salut Robert. Comment tu vas ? T'es en train de me douper, là? Je te l'ai filé, la mère Pierce.
La femme, oui. Mais j'avais dit pas le gosse. Tu croyais quoi, que j'allais te payer plus? Tout ce que t'as fait, c'est compliquer les choses. Il y a un mec qui me suit. C'est toi qui me l'envoie? Non, j'ai envoyé personne. Mais j'aurais peut-être dû te prévenir au sujet d'Aiden. Tu dois m'aider, mec, ou sinon je lui dis tout ce que je sais. C'est exactement pour ça que tu sais rien du tout. Il va pas être content quand il va s'en rendre compte. Putain, merde, je fais quoi? Tu te démerdes, mon pote. Bonne chance. Qu'est-ce que je fais, là? Fils de pute. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Ah merde, je pensais que c'était pour monter l'arme. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah bah c'est l'explosion qui a fait ça. Mais... moi je dois me rendre... Je dois me rendre là-bas. Nickel. Ah, la barrière quoi. Ah je l'aime pas cette voiture. Elle est pourrave. Bon, ça va qu'il est en 4x4. Allô? Il faut faire venir quelqu'un là. Allez, vite. On fait lui dedans, allez. De toi. Comment ça, il est prêt? Allez, la barrière. La barrière. Non. Je voulais le petit jaunet. Allez. C'est bon, ça a récupéré. Je vais attendre un tout petit peu. Non, je peux pas. Ah, CTOS Blackout, génial. En fait, c'est qu'on pouvait pas fermer le truc ici. Déjà j'en ai plus que deux. J'ai plus de batterie, c'est génial. Par contre ce que je peux faire, j'ai remarqué. Cherchez encore. Bordel, il est où? Je sais pas si ça marche. Alors là, il y a un joli barrage avec toutes les bagnoles que j'ai posées. Ah là c'est nickel. Eh merde, le boss a besoin de nous. On rentre. Et voilà. Joue pas au con avec moi, Aiden. J'ai pas été clair. Si jamais tu touches à Jackson. Ah, ça. Un de mes employés a voulu en faire trop. T'inquiète, ton neveu m'intéresse pas. Mais si tu déconnes encore une fois... Ferme-la. Je veux parler à Nikki. Attends un peu. Tu crois que tu peux me demander des trucs? Tu lui parleras quand tu me donneras quelque chose d'utile. Cette adresse IP et on se reparle. Là, tu fais juste perdre mon temps. Espèce d'enfoiré. Bon ben allez. Damien me connaît par cœur. Il sait parfaitement comment je réagis. Donc on a fait le CTOS et la mission. Ouais allez, on va se faire un dernier truc. Hop. Ça doit faire un bout de temps qu'il organise tout ça. Mais il faut toujours qu'il aille trop loin. Il fera du mal à Nikki s'il obtient pas ce qu'il veut. Ok, pour l'instant, je vais jouer son sale jeu. Je vais suivre son adresse IP. Mais je trouverai un moyen de me le faire. Mon château, je lui mettrai une bonne grande claque dans la gueule. Direct. Je tue tout le monde et ensuite je cherche Nikki. Un justicier s'est actuellement dans les rues de la ville et nous voulions la radio. Nous recevons le docteur Diana Bertrand qui est criminologue à l'époque.
Stopper. C'est bon, on arrive. Typiquement le complexe du héros standard. De plus, les médias le maintiennent dans son délire. Il parle de lui, il lui attribue un surnom, il documente chacune de ses actions, tout ça, ça l'encourage. Faut que je trouve une solution. Et bien sûr, c'est il veut cette victoire. Alors je lui laisse. Je vais retrouver le deuxième hacker et il va libérer Nikki. Enfin, je crois. Pour l'instant, j'ai pas d'autre alternative. Hop. On va se faire deux missions quand même, sinon ça va faire un peu short, je trouve. Bon, on en a déjà fait deux si on compte le City OS, mais le City OS, c'est pas vraiment une mission, je trouve. Non. Là. Quel enfoiré. Saloperie d'affaire Merlot. Ok, Damien. On va voir si ta merde est quelque part. Voilà. Et merde. C'est quoi ce bon... Hé, c'est moi. Tu m'as demandé de venir. Désolé. Je suis un peu tendu, là. Ouais. Viens là, regarde ça. C'est qui, elle? Aucune idée, le fichier est corrompu. Tu sais comment lire cette vidéo, toi? Non, c'est irrécupérable. Il te faut l'original. Je lance une recherche avec ton accès au City OS. Ouais, justement, je voulais t'en parler. Tu vois, je crois pas qu'il soit au courant. Il en aurait parlé, je le connais. Qui en aurait parlé? Elle, c'est peut-être une piste. Ou pas. Il me faut une longueur d'avance sur lui. Aiden, t'as des ennuis? Une adresse IP? Oui, il me l'a donnée. Tu peux trouver où elle mène? Je comprends rien, là. Aiden, réponds-moi. Je ferai rien tant que tu m'en... Il l'a enlevé, Clara. Il utilise ma sœur pour me faire chanter. Oh mon Dieu. Le mec qu'on a tracé. Oui. Damien Brinks. Je peux rien pour toi. Je vais y aller. On se reparle plus tard, quand t'auras fini. Ils arrivent par devant.
Oh merde, il y a un snipe, je crois qu'il s'est foutu pipoil sur ma gueule au moment où je me suis levé. J'ai vu le petit laser passer. Elle est où ta voiture? Par ici. Non mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh là là. Ah mais ok, on recommence ici. Il est où là? Parce qu'il fait très mal celui-là quand même. Hayden, j'enseigne du modèle. Un autre. J'ai loupé ou j'ai touché? J'ai loupé. On a reçu votre message, nous voilà. Putain, mais c'est qu'il y a du monde quand même. Et ben voilà, plus personne. C'est bon, on est là. Ah merde, j'aurais pu l'avoir. Là, la rue. Tiens, on va l'essayer. Putain, ils sont... Planque-toi. Ouais, t'es dans la merde. Ah ouais, copain. Ça, c'est bon, par contre. Oh, je kiffe. Ah, il m'a fait bouger. Enfoiré. Bon, apparemment, il faut bouger. Non, mais... Putain, je sais jamais comment on sort des planques. Oula. Et venez d'où cette traînée rouge? Là-haut. On peut un deuxième? Sur la tire. Là. Là, pas loin. Bim! T'as de l'appendicite. Je crois que c'est bon hein, chérie. Je vois plus personne. Merci. C'est encore celui d'en haut, mais il sort pas. Où est-ce qu'il est, ce guignol? Là. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Là on va changer d'arme par contre. Et d'ailleurs on va essayer la K. Hop. J'ai besoin de frontières ici. Mais c'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'ils veulent? On a reçu votre message, nous voilà. Ils ont dû repérer ma recherche d'adresse coupée. Putain mais pour qui il va? Il bouge beaucoup la K. Je vais nous tirer de là. Il y en a encore plein. Je peux m'en charger. Oula, là ça va péter. Il est encore vivant l'autre. Sa voiture. C'est de l'autre côté de la rue. Hop. Ah mais il n'y avait pas un chemin normalement pour aller là-bas. Il est où? Là. Vite, monte dans la voiture. Je vais m'occuper d'eux. Mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y. Ils vont essayer de nous piéger. Elle est où elle? C'est elle là le petit point? Non, le point il bouge. Je sais pas ce que c'est ce petit point à côté du mien. Quitter la zone du motel. Oh, facile.
Hop. Clara, est-ce que ça va? Comment est-ce que tu veux que ça aille? Putain. Mais t'es qui? Je sais pas comment t'expliquer. Tu connais un endroit où on peut parler. Viens. Et voilà. Donc les gens, moi je vais vous laisser sur ça, j'espère que ce petit let's play vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.